Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une vidéo essai, très bien. Je vais essayer certains des dies que j'ai achetés chez Shane. Donc, ils sont des dies, je vous ai déjà dit, donc normalement, vous avez vu le haul. Donc là, j'ai sorti mes chutes de papier que je garde. Bon, je garde pas tout, mais j'en garde. Et on va faire, on va faire des découpes pour voir un petit peu comment ils coupent. Qu'est-ce que ça donne? Allez, on est parti. Alors moi, je passe toujours deux fois dans la machine. Un aller-retour, en fait. Je vais faire ça, et puis on va voir ce que ça donne. Si ça découpe bien. Si je ne vais pas jusqu'au bout, ça ne va pas le faire. Voilà. Oh, impeccable. Un petit câble. Donc ça, c'est le dies fleur. Voilà, pas mal. Faudrait que je m'achète aussi. Ah ben non, il me faudrait un tapis de souris. Je dois avoir une boule. Ah ouais, comme ça. Ah ouais. Je me pique. Pour essayer de faire ça comme ça là. Je suis une russe. Oh, elle fait des fleurs. Oh, à tomber. Vraiment. Comment? Léa aussi, qui fait des jolies fleurs. Elle prend sa pince. Une pince. Et elle plie en, comme ça là. J'aime bien aussi. Mais voilà. Je me suis piquée. Bon. On va faire à la varite. Si je n'ouvre pas, ça va pas. Après, on peut faire un trou et mettre une... Je vais laisser sécher. Hop, je prends une épingle. Voilà, je vais laisser sécher. Je vais faire autre chose et puis on la finira après. On va faire autre chose. Donc, les fleurs. On m'a demandé le nœud lapin. Donc, on va essayer de le faire. Alors, le nœud lapin, on va le faire comment? On va faire les oreilles. Alors, attendez. Hop, les oreilles. À part le nœud à part, hop, ça c'est les pattes, ça on va mettre à la poubelle, ça c'est l'intérieur des oreilles et les petites pattes, comment avons ça? Ah bah c'est pour faire le blanc en dessous. Alors on va faire quoi? Du rose pour ça. Rose pour la tête de lapin, on va dire. Et on fera blanc pour l'intérieur de l'oreille et les pattes. Ouais, on va essayer comme ça. J'ai fait, comme je vous dis, hein, donc deux, enfin, un aller-retour, en fait. En tout cas, ça coupe très bien. Hop. Voilà, on va faire du blanc. Le blanc, j'ai dit. Les pattes pour en dessous, blanc. Et les fonds d'oreille, blanc. Le nœud, je sais pas. On va faire une couleur, le nœud.
Ça, c'est pour l'oreille. Et ça, c'est les pattes. Ah, celui-là a mal coupé. Ah, c'est peut-être moi. Je recommence, voir. Les plaques sont archi usées aussi. Hein. Et puis, j'avais mis super sur le côté, donc c'est peut-être ça. Alors, bah là, elles ont bien découpé. Elles sont même sur la plaque. Ah, bah, j'arrive pas à le décoller. Bon, là, il est même trop coupé. Bon, voilà. Donc, ça, je jette. Hop. Donc, elle est où ma petite colle? J'ai perdu mon petit tube de colle. Là. Donc là, il faut que je colle les pattes, les papattes, pour faire blanc en dessous. Que ça soit plus joli. Oui, petite botte de lapin, il est pas mignon. Sérieux, j'adore. Il fait une chaleur aujourd'hui. On est vendredi. Vous aurez peut-être la vidéo que demain. Oh, mais j'ai chaud, je vous raconte pas. Et donc là, il faut mettre une petite oreille dedans. Comme ça. Je le fais à la va-vite. Hein. C'est juste pour vous montrer. Ouais, c'est agréable, j'ai eu pas mal de petites... remontées, donc comme on dit. Ouais, enfin, des petites questions et tout ça, suite à ma vidéo. Les gens qui ont demandé des nouvelles, qui étaient contents de me revoir. Et puis ceux qui m'ont demandé comment était le dies et tout ça, c'est toujours agréable. Donc ça, je ne vais plus en avoir besoin. Donc ça, maintenant, il faut faire le nœud. Le nœud, le rond, c'est quoi le rond? Ah, c'est pour mettre dessus peut-être. Le nœud, bah le nœud, on va le faire... je vais faire en quoi? Si je le fais comme ça, ouais, pourquoi pas. Pince pour tenir. Ah oui, moi j'utilise pas de colle chaude, donc du coup tout est un peu plus long. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la colle chaude. J'ai horreur de ça. Après ça c'est pareil. Bon, bah, c'est pas mal. Donc après, hop. Ah oui, ou tu mignon. C'est mignonné. Et puis un petit pompon blanc par exemple. Ouais, ça peut être sympa. Donc en tout cas, celui-là, vous avez vu, il découpe très bien. Donc là, tout ça, alors il ne faut pas que je fasse de bêtises, tout ça, ça va ensemble. Le rond, je ne sais pas, il le mettre peut-être dessus. Ouais, moi, je mettrais un petit pompon, je pense. Donc celui-là, il découpe bien. La petite fleur, vous avez vu, elle découpe très bien, elle est sympa.
Et dans le milieu, il faut que je mette une petite perle. Est-ce que j'ai une petite perle blanche? Ou alors... Peut-être un peu grosse, ça. Je ne les ai pas ouvertes. Non, je ne les ai pas ouvertes. Celle-là va être trop grosse. Ah si, j'en ai ouvertes. Oh, c'est un peu gros. Alors ça, ça fait combien? Je suis curieuse. Là, j'ai vu qu'il y avait des 7. Ah, il faudrait que je prenne des 1. Alors, colle au doigt, ça colle pas le truc. Voilà. Une jolie fleur. Hop. Elle est sympa le dies en tout cas. Et donc là, on va finir le petit nœud. Même le nœud tout seul, il est trop joli en fait. Et donc après, bah, il suffit de mettre, de coller, et voilà. Et vous avez un nœud avec les lapins. Et ça, ça peut même servir sur d'autres choses en fait. Ouais. Non, franchement, pas mal. Bon, pour l'instant, je suis super contente de mes dies. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Là, c'est le papier. Ça, c'est le lapin. Ça, c'est hop. Ça, c'est le lapin. Ah, le téléphone. Ouais, mais ça, je vous ferai une memory dex avec, peut-être. Ouais, je pense. Ah, celui-là. Tiens. J'ai du noir. Ouais, j'ai du noir. Donc, je peux faire... Alors là, il faudrait que je fasse pour bien faire ça en noir. Alors ça, moi, je les coupe moi-même. Je m'en sers pas de ces petites trucs-là. Et là, et eh ben là, il faut que je le défasse. Ça en noir, peut-être. Ouais, je vais faire ça, ça, ça. On va le faire comme ça. Hop. Ah bah, si je mets à l'envers le die, c'est qu'il ne croit pas. Minuche. Il est super bien coupé. Et là, en... allez, en blanc, j'ai des chutes de blanc. On va voir ce que ça donne là. Faire, faudrait, je sais même pas si je suis dans le champ, si vous voyez, pour bien faire il faudrait laisser sécher.
deux couleurs comme ça, c'est super sympa, je trouve. Avec du argent, là, on va faire joli. Alors, Halloween, ouais, je vois plus avec du argent que du doré, mais bon. Ah ouais, c'est ça, il faudrait que j'en prenne des argents aussi. Donc là, on va coller. J'aurais dû sortir le pistolet à colle pour vous montrer, ça aurait été plus vite. Ça va être un peu plus long. Ouais, ça va être super joli. Et donc après, est-ce que je mets les deux ou que ça, que ça? Alors, en fait, au lieu de couper ça, moi, je coupe direct un morceau. Ça revient au même. Sauf qu'il est plus long, donc c'est plus facile pour faire le tour. Par contre, il faut que j'attende que ça sèche un peu. C'est séché un petit peu. Je n'ai pas fait assez épais d'ailleurs. C'est pas grave, on mettra une perle ou quelque chose dessus. Ah oui, un pompon peut-être aussi. Je me dépêche juste hein, que vous puissiez voir un petit peu. Ah, elle est trop beau. Sympa. Et il est sympa aussi. Hein. Trop mignon. Donc celui-là, qui coupe très bien aussi d'ailleurs. Je range tout après. Oh, c'est rangé par contre. J'ai pas pensé. Enfin, je refasse mon rangement. Peut-être ça ce soir. Je trouve qu'il est super sympa. Alors, des pompons. Donc là, c'est trop mignon, j'adore l'idée. Maintenant, il faut poser pas mal. Voilà, il faut attendre que ça sèche. En fait, j'adore l'idée. Voilà, et là, je pourrais partir. Voilà, c'est mes gros pompons. Hop, petit pompon blanc. Et là. Ça dépend de ce que je fais comme truc, mais voilà, pompon comme ça, le petit. J'ai pas d'orange, le petit pompon orange, si je dois en avoir quelque part.
juste histoire de vous montrer. Ça fait combien de temps que je fais une vidéo là? Ah bah 26 minutes, je vais peut-être m'arrêter. Bon bah je vous ai montré un petit peu. Il y en a d'autres, bah, vous verrez au fur et à mesure, je vous montrerai au fur et à mesure. Parce que là il y en a un shaker, et il y a celui-là aussi. Celui-là je le ferai bien dans ces tons-là. Pour les bois. Et rouge pour le reste. Tiens, on va le couper en entier pour voir. Déjà, ça va vous donner une idée. Voir s'il coupe et comment. Ah non, c'est un joli. Voilà. Nounouche. Je ne l'ai passé qu'une fois, mais je l'ai mal mis. Voilà. Et j'ai les mal mis. Je l'ai passé qu'une fois, il a coupé. Mais voilà, je l'ai mal mis. Il manque un bout en haut. Nunuche, je vous jure. Hop, hop, le rond, ça doit être pour le nez. Et ça, c'est les bois. Mais les bois, je vais les faire en couleur bois. Alors, attendez. C'est celui-là que j'ai loupé. Est-ce que je peux le refaire? Non, je n'ai pas assez. Ah, la nuche, je vous jure. Je vais aller trop vite. Et là, c'est les bois que je veux. Je vais faire que les bois. Il coupe très très bien. Et donc là normalement on colle ça ici, vous voyez. Bon là du coup il en manque un petit bout. Ah, il est trop beau, franchement il va rendre trop bien aussi. Et pareil le nœud. Ah bah non, je suis bête. Il pleut. Ah ouais, il pleut. On va fermer. Il fait une chaleur. Je vous raconte pas, je suis en âge. Mais il pleut. Donc ça et ça, ouais c'est un double, d'accord. Faudrait-il coller correctement? Ouais, il va falloir que j'attende un peu parce que là je vais faire du dégât. Mais pour vous dire, il est franchement il est très beau. Donc franchement, eh ben, je ne suis pas déçue de mes dyes. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas mignon? Franchement, il est trop mignon. Je sais plus qui c'est qui me l'a demandé. Donc celui-là, c'est celui-là, il est trop mignon. Et celui-là, bah, j'aime beaucoup aussi. Allez, on va y mettre un pompon. En fait, il faudrait mettre autre chose, peut-être pas une grosse araignée, par exemple, ou un truc comme ça. Mais bon, allez, je mets ça, histoire de... Regardez, franchement. Eh ben, je suis plutôt, plutôt convaincue pour l'instant. Donc voilà, voilà. Petite vidéo avec essai de quelques dyes. Simuler aussi les autres. Alors ça, j'essaie peut-être de faire une hémorroïdex avec vous, là aussi. Il me reste quoi? Le papillon à faire, elle aussi, la pomme d'amour. Le chaudron, je vous le ferai peut-être également en vidéo. Ça, bah, quand j'aurai fait la maison, si c'est pas fait, ça je vous l'ai fait. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a bon, le petit pinceau, mais bon, le pinceau. Donc voilà. En tout cas, j'ai déjà fait cela en essai. Bah écoutez, franchement...
Moi, je sais, moi j'adore. Je suis trop fan. Voilà. Ils sont super sympas. Donc voilà, voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller me mettre au frais parce que franchement, je suis en train de couler. Et puis je vous dis bah, à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.